Voilà, donc je vous avais laissé juste avant la première épreuve. Et en fait, ouais, pour la commencer, il suffit de se mettre dans ce cercle. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous exactement pareils, avec un casque qui leur fait la moitié du ventre, d'une couleur différente. Je trouve ça assez marrant. On a tous des gros costauds là, nous on a un con et notre gueule de gamin. Vous accuse pas, c'est pas pour ça qu'on va perdre. Alors voilà comment ça marche, on a le droit à une action. C'est-à-dire que là, si je fais déplacer comme un con, ça annule tout. Donc faut pas se gourer. Ouais. Pas de con quand même, hein, pour se gourer. Ou maladroit. Voilà, ensuite lui aussi, il a droit à un truc. Bourgeon. Alors si j'ai de la chance, je pourrais récupérer tous les objets. C'est des objets de merde, hein, mais. Et comme vous pouvez le voir, on a un équipement de merde. Enfin, Vlad a un équipement de merde. Il a pas son vrai équipement, bien sûr. Donc elle, inondée. Ça empêche de voir que c'est le tuyau et tout ça. Donc là, on gagne énormément de temps déjà. Voilà. Et là, c'est à Vlad. On n'a pas besoin de pousser ça, on saute. Hop, hop. Passer. Donc là, l'autre il est en train de pousser comme un con le tronc. Je crois que nous on speed. On n'a pas besoin de pousser le tuyau. On n'a pas besoin de passer par là non plus. Donc ça se fait une attaque de feu en fait. Donc là, pour faire ça, je vous montre comment faut faire. Hein. Non! Voilà. J'espère que j'aurai le temps d'arriver avant lui. Parce que si on prend pas tous les coffres, bien sûr, c'est sûr qu'on arrive avant lui. Ouais, c'est en fait si on arrive en premier, on gagne le meilleur objet. Bon, lui, il essaie de prendre tous les objets aussi, donc c'est pour ça qu'il est là. Mais je vous promets pas que j'arriverai avec les autres épreuves. Hein. Alors la première fois que j'ai fait les vidéos là, celle que j'ai dû recommencer, j'ai pris aucun objet, je faisais que de la merde, j'arrivais en dernier en plus. Mais j'arrivais quand même le combat. Enfin, c'était assez marrant. Donc là il y a une musique spéciale exprès pour le Colisée. Ouais. Donc ouais, Ragnarok tout le temps. C'est conseillé. Ah. Ouais. Si, je suis en train de faire une vidéo là. Ah, je suis en plein dedans là. Ok, attends. Je te rappelle après. Ok, allez, salut. Excusez-moi, c'était le téléphone. Je peux pas couper la vidéo parce que si je mets pause, des fois ça déconne, donc je prends pas le risque. Donc si vous voulez savoir qui c'était au téléphone, hein, je vous dis ma vie privée, tant pis. C'était celui qui m'accompagnait lors d'une vidéo de FF5, dont je vous ai pas dit le nom, bien sûr. Il est pas sur Dailymotion, donc... Oula, j'aurais dû faire soin normal. Allez, je tente le diable. Merde. Je l'ai donné à Yvan comme un con. Bon alors. Tant pis. C'est le dune que j'avais donné à Yvan que je voulais utiliser, donc... De toute façon c'est le premier combat, il est facile. Fais pas ton malin, t'es une merde. Donc oui, il vous passe le bonjour, hein. Celui que j'avais au téléphone. Oula. Le salopard, hein, ouais. Donc je sais pas ce que ça fait si on perd pendant le truc, je le cuisais, parce que ça m'est jamais arrivé. Je pense que ça met un game over.
Ah mais putain de résistance ton foiré. Tu faisais pas ça d'habitude. D'habitude il se défend au bout d'un moment. Ah bah voilà. De toute façon j'aurai encore une noisette. Hein. Et voilà. Je suis bien expédié en enfer. Hein. Ah, comme tu dis, ouais. Donc là, on n'a plus besoin de bourgeons. Donc je vais reprendre mon bin et devenir plus puissant. Voilà. Voilà. Donc là, il faut juste bouger des rondins comme avant. Donc là, ça évite quand même de se taper tout un bordel. Bon, je vais mettre Garrett. En vrai, il y a 4 ou 5 épreuves là, je crois, donc faut mettre au bon, faut réfléchir, faut mettre au bon endroit les bons gens. Hein. Donc là, par exemple, il y a rien à faire. Ah oui, alors là, la dernière fois, je me suis planté comme un con. J'arrivais même pas à sauter. Faut sauter en rythme. Hein. Si on laisse appuyer sur gauche, ça marche pas. Donc là, ça sert à rien, on peut rien faire. Ensuite. Donc là, vous appuyez, hein, faut mettre freiner en fait. Frima à gauche. Donc là, je vais mettre bien sûr Sophia. Ensuite, bah là, il peut rien faire le gars. Donc là, faudra tomber sur le truc du milieu. Okay. Se rappeler de ça, donc là non plus il veut rien faire parce que le bourgeon est trop loin, tout ça, donc il reste plus que cette salle. Ouais, voilà. Donc on n'a plus qu'à mettre Ivan ici avec l'orbe de force, et c'est parti. Se gourer de trucs, c'est lequel qu'il faut bouger. C'est celui-là, ouais. Faut pas que je fasse le con, j'espère que c'est le bon. Donc lui, il faut qu'il fasse force sur le truc. J'espère que je vais le faire au bon endroit. Et là, il faut qu'elle fasse frime à où ? Ouais, ici, parce que de l'autre côté, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Frime à ici. Donc, je vais quand même essayer de récupérer tous les objets. Hein. Donc, tant pis si j'arrive dernier, j'arriverai quand même le combat. Enfin, on verra si je récupère tous les objets ou pas. En fait. Allez, go. De toute façon, je sens que je vais me planter ici. Je vais vous faire en rythme. On peut même pas en faire deux d'un coup, je crois. Ah, là, j'y arrive bien en plus. Hein. Putain, l'autre emmerdeur, j'allais le frapper, le gars d'en bas. Là. Donc, ça sert à se soigner gratos. Hein. Non, je suis con, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Là.
là, faut pas se gourer, faut tomber sur le truc du milieu. Putain, le con, il en avance sur moi. Ah, il sera en avance, ce salaud. Oh, le salopard, il arrive avant moi, quand même. J'aurais peut-être pas dû essayer de prendre tous les coffres. Bon, tant pis, je vais me retrouver avec un objet de merde. Je vais l'exploser quand même, j'espère. Oula, c'est une armure, donc lui, il a une grosse armure, du coup. Et moi, j'ai de la merde. Bon. Je vais quand même réussir. Brunet. Donc le ouais, du coup il me fait plus de dégâts. Et vu que j'ai récupéré le jean, ça devrait aller. Alors ça sert à rien sur moi en tout cas. Parce que déjà ça marche pas et même si ça marchait, c'est Ragnarok. D'ailleurs je sais pas si vous savez ce que c'est Ragnarok. Oh putain. En vrai, d'où c'est sorti. Alors déjà, je sais que c'est la mythologie nordique. Et ouais, en fait, c'est une épée géante qui tombe du ciel et qui sépare le monde en continents. Oui, c'est spécial. Donc voilà, c'était le cours d'histoire d'aujourd'hui. Ah mais il se soigne ce salopard. Putain, il s'est soigné beaucoup plus que je lui ai enlevé. Ah, arrête ça. Cet enfoiré. Je vais utiliser une des 4 noisettes. Putain, le petit salopard. Il va pas s'en sortir comme ça. Bon, je crois qu'il a plus de noisettes là. Parce qu'il arrête pas de faire la tactique de l'écureuil là, mais ça marche pas avec moi. La tactique de l'écureuil, c'est qu'on bouffe tout le temps de noisettes. Voilà, donc n'hésitez pas à récupérer tous les objets, parce que même si vous arrivez en dernier, de toute façon, c'est pas grave. Donc là, blabla, ouais, vous êtes le meilleur, machin. Et... voilà. Alors. Donc là, faut faire Frima, ouais. Donc il n'y a pas à chier, c'est Frima qu'il faut faire. On peut aussi pousser le tronc, mais bon. C'est bien. Donc, Frima. Je vais mettre elle. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut plus récupérer. Hein. Donc il faut pas se gourer. Là faut que je bouge un truc hein. Et là on gagne vraiment du temps parce que vous voyez tout ce qu'on a, ouais, vous voyez tout le temps qu'on gagne là. Alors Greg arrête, et enfin, oh non, pas ce truc de salopard, je déteste ça. Donc là oui, on peut rien faire hein. On peut pas mettre de gens pour nous aider. Donc là en fait le truc c'est de se foutre contre le mur et d'appuyer tout le temps sur droite, comme ça il avance, et d'appuyer sur haut en même temps pour se casser la gueule. Donc là ça sert à rien, on peut rien faire tout ça. Et là on peut rien faire non plus. Je sais pas trop comprendre quoi ça sert son truc là, mais alors il faudrait que Vlad et Bourgeon, pas Vlad, si Vlad,
Mais Vlad, s'il a Bourgeon, il a des stats de merde. Donc, il aura pas Bourgeon. Ah ouais, ça c'est du bon. Là vous voyez, on va 2 à l'heure. Mais si on prend le bon truc, c'est-à-dire, ils vont avec force. Il fait gicler le bois dans le tapis, voilà. Ah, il y avait d'autres niveaux encore, on va dire. On sait de quoi là. Ah, là, on pouvait pas céder non plus. Alors, ça, c'est assez chiant, faut pousser les troncs pour pouvoir. Donc, voilà. Pour pouvoir passer. Donc, voilà, ça se fait. Allez go. Je sais pas si j'aurai le temps mais bon. Et enfin, Prima. Donc là je vais attendre. Et à la prochaine vidéo parce que je crois que j'aurai pas le temps.